Alors nous venons d'arriver au Shankal Maheshwaram Temple, à une vingtaine de kilomètres du bord de mer, et il y a une espèce d'objet, comment dirais-je, phallique, énorme, pas fini à construire. Bon, je sais pas si on va s'entendre. Hein. On s'entend pas là. Un peu, pas bien. Ils sont derrière. T'as intérêt à parler fort un peu toi, hein. C'est long. Ouais. Mais juste pour dire, on est parti voir un temple là à l'intérieur des terres. J'ai plus le nom déjà, mais c'est pas grave. Mais je le dis sur une vidéo où on voit l'objet phallique de toutes les attentions. Oui, mais c'est le même signe que. Oui, c'est un signe qu'on voit ailleurs en fait. C'est un Sivinga. Ah, j'ai mangé le nom. Bref, c'est assez incroyable. Et puis là, il y a des prières. C'est tout en lumière le soir, ça doit être incroyable parce qu'ils ont installé des look-ups de partout. Donc le soir, ça doit être éclairé de mille feux cette histoire. Voilà, et là, ça prie. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais ça prie. Ils sont une bonne centaine là-bas en rond. J'ai filmé, mais de loin. Pas trop près quand même, pour pas déranger. Oui, c'est un temple qui devait avoir une racine ancienne et puis ça a été retapé, ils ont rajouté des trucs, rénové. Les gens viennent prier et viennent s'habiller tout en blanc. C'est encore autre chose. Voilà, différent. On va repartir direction le bord de mer pour aller dîner. Non, déjeuner. Luncher. A plus, dans le bus, non, sur le scooter.
Anne dégouline. Pour prendre une photo. J'attends que le drapeau soit bien placé, donc je ne vais pas attendre longtemps. Mais quel drapeau? Allez, le drapeau. Ah, on le voit à peine avec celle-là, tout au fond là-bas.